using your shotgun, bang! Oh! Eh bien, bonjour. Est-ce que vous savez d'où vient l'expression briser le quatrième mur au cinéma? Vous voulez que je vous dise, dans cette salle, vous êtes tous une sacrée bande de gogos. Et le plus pire de tous les gogos, c'est toi. À l'origine, c'est un usage qui remonte à la Grèce antique, qui a continué également durant la période de Shakespeare jusqu'au théâtre moderne d'aujourd'hui. Et cette expression, en fait, elle est devenue populaire dans les années 1800, lorsqu'il était coutume d'avoir des pièces de théâtre entre trois murs, plus un quatrième mur imaginaire séparant les comédiens du public. C'est de là, tout simplement, qu'est venue l'expression de briser le quatrième mur lorsque l'un de ces comédiens s'adressait directement à l'audience. Pour vous partager quelques exemples que vous auriez peut-être déjà vu en termes de films ou de séries, d'abord il y aurait The Mask et Deadpool. Je trouve que par exemple, en l'occurrence, pour ces deux films, ça rajoute un effet très comique indéniable. De plus, si vous avez regardé la série Malcolm, vous savez qu'il parle très souvent à la caméra et donc qu'il brise forcément ce quatrième mur. Mais maintenant c'est super!